Salut à toutes et à tous, ça fait super longtemps, ça fait très 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 longtemps qu'il n'y a pas eu de Best of Track. Je m'en vois désolé, j'en suis le premier navré parce que c'est vraiment un truc que j'adore, donc on va se lancer avec ce Best of Track 55. Mais règle numéro 1, on ne caillasse pas l'invité que j'ai actuellement, ce n'est pas Cartoon. Vous n'êtes pas obligé de partir tout de suite non plus, oui, Cartoon a toujours, toujours en train de sauver la planète, on en refera prochainement, mais pour l'instant, je suis avec un des membres de la Team of Five qui est tout simplement Big 8. Ah bonjour, c'est moi Big 8. Si vous suivez Trial, l'univers des Trial, vous connaissez sûrement Big 8. Donc il va m'accompagner pour quelques best of track sur Trial Evolution. On va finir les best of track sur Trial Evolution et après on pourra se lancer globalement sur Trial Fusion en live, en Twitch, en direct avec plein d'autres nouveautés, plein de bonnes annonces. Des concours à suivre, je vous ferai gagner aussi des Trial Fusion. Voilà. Sur ce, ça sert à rien de trop traîner, on va se lancer dans ce Best of Track 55. Vas-y, je te fais confiance, je te suis. Et commencer la course. Chose difficile, on est... prends une 250. Hein. On est en... Comment dire? On est en live. Enfin, on est en live. Non, on est en ligne. Parce que on est en live ligne. Parce que t'es de quelle région toi déjà? Moi je suis de la Marne, donc voilà, c'est de la Marne. Une heure et demie au moins. Voilà, donc on espère que le live tiendra, qu'il n'y aura pas de soucis, parce qu'on a tous les deux une connexion très bancale. Et attention, c'est un best of track test, parce qu'après on enchaîne la saison 2 et bientôt la saison 3 de la Team of Five. Et là, ça pose vraiment problème, parce que ils ont des grosses pistes, des trucs exactement. De gros malades. Là, c'est vraiment histoire de se remettre dans le bain parce que j'ai pas joué à Trial depuis peut-être 3-4 mois, facile. Et avant de vous présenter la saison 2 de la Team of Five que je vous avais jamais présentée, on va tout simplement se faire une petite remise en main. Déjà que j'arrive pas à passer le caillou du début, non mais t'es sérieux? Toi, t'es passé, je t'ai vu foncer là. Ouais, non mais j'ai des bons entraîneurs, hein. J'ai Zerg, j'ai... Là, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'il faut savoir, on est sur une piste de Loot Monkey, on le reconnaît, mais à 3 km. Il a un pouvoir artistique, ce mec, c'est juste hallucinant. Ouais, j'avoue que. Putain, même le coup des petites bougies au fond, là, c'est vraiment. Ouais. Et ce que j'aime bien avec Loot Monkey, c'est qu'il a vraiment. C'est son univers à lui, quoi. Si tu vois une piste dans le même genre, t'es sûr que c'est un Loot Monkey. C'est vraiment un univers très, très, très particulier qu'il est le seul à avoir mis en place. Et c'est un régal, c'est un régal. Non, moi je t'ai attendu, mais j'aurais peut-être pas dû. Bah oui, oui. Mais c'est pas grave, hein, vas-y, trace. De toute façon, je regarderai la vidéo, track, bah oui. D'ailleurs, on ne se voit pas, on n'est pas en conférence, on n'a pas de vidéoconférence, donc. Oui, c'est on la est vraiment. Surprise. C'est va être la totale surprise, je sais même pas qu'est-ce que ça. Mais non, je fais n'importe quoi. Je sais même pas qu'est-ce que ça va donner avec. Là! Avec, au montage quoi, donc c'est vraiment un test, voir si c'est faisable dans ce système là. Ah, je suis dégoûté, j'étais en train de passer un très très beau spot, j'ai vu un livre qui m'intéressait, je fais B et boum j'ai passé le checkpoint. C'est vraiment la lose. Et c'est vraiment beau là. Ouais, Loot Monkey c'est incroyable. On reconnaît le talent de Psyodélique pour choisir des best of track quoi, c'est... Ah, faut savoir que moi je fais pas de pistes en règle générale, moi je fais que des tutos et puis à la limite je passe mon temps sur l'éditeur pour sortir des trucs qui ne sortent jamais. Oui voilà, si vous ne savez pas faire des trucs sur l'éditeur, foncez voir la chaîne de Big 8 et vous apprendrez grandement l'éditeur. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et là sur Trial Fusion, pareil, les best of tracks vont reprendre un bon petit rythme de croisière, ça va être très très agréable. J'ai très hâte de voir ça moi. Oh oui, j'ai hâte de voir ça. Moi je vais faire beaucoup de tutos. Notamment, des trucs un peu officiels. Donc ça va être vraiment sympa, on verra bien ce que ça donne. J'ai hâte. J'ai hâte. Bon, 250 aussi? 250, toujours la 250. Ouais, toujours la 250. Donc là, on passe à Hazuhiro. Hazuhiro! Oh de Nanto Kaboul. Inconnu au bataillon. On va voir si ce que ça vaut. On va à Kaboul. Yo. Du coup, pour revenir à ce que je fais, moi je suis très nul. Les gameplays pourris que je dois présenter, c'est un truc de ouf. Oula, celle-là je crois que je l'ai déjà faite. Je suis ah pas sûr. Ouais, oui. J'aime beaucoup le décor montagnard comme ça avec le petit sentier de montagne. Je crois même que c'était Killa ou même un membre de la Team of Five qui avait montré ça. Il m'a dit tiens, viens voir, on va faire 2-3 pistes. Et j'avais beaucoup apprécié parce qu'elle est simple en fait. C'est pas un truc trop difficile. Elle est vraiment pas trop dure, dit-il en se crachant la gueule. attends, c'est toujours pareil.
C'est le truc qui vient de casser, tu sais. Mais franchement, les décors, les maisons et tout ça. Ouais, c'est super bien, ouais. Alors, ça casse pas une brique à. Enfin, trois briques à un canard, ou trois pattes à un canard, mais. C'est exactement ça, ouais. C'est très beau. Ouais, tu sais, c'est, voilà, c'est propre, c'est inspiré. Oh là là. C'est inspiré, c'est réaliste. C'est la simplicité qui fait la chose, quoi. Alors exactement. Qu'il y a des mecs comme moi qui vont se casser le cul à faire des détails, mais qu'on ne verra même pas. Et au final, ça rend peut-être moins bien, donc... Non, c'est pas ça, c'est que c'est bien d'avoir une autre approche, tu sais, relativement simple et réaliste, comparé à toujours un débauche de folie, quoi. Bah, il en faut pour tout le monde, hein, c'est aussi ça, la magie de l'éditeur. Bon, après, il y a des c'est techniques... C'est la variété, quoi, la variété voilà. Qui est énormissime. Après, il y a des choses aussi qui sont un peu plus dures, c'est pour ça qu'il y a des gens qui font des tutos, il y a Redlinks qui aide un peu, mais c'est super simple de faire des pistes, et ça, c'est génial. Alors, on passe à Corrosive de D2 d'Aaka. Alors celle-là, je crois que je l'ai faite aussi, mais alors... Il y a très longtemps. Ah ouais, il y a très très longtemps. Bah je crois que c'est sorti en même temps, non? Un truc dans le genre. Je sais plus du tout. Ça fait tellement longtemps que forcément j'ai fait ce listing des pistes. Et attends, regarde voir un petit peu les véhicules, comment ils sont... Ils sont sympas. Ils sont super bien faits, quoi. Oh là là. Oui, les transpalettes. Ouais, avec la petite... Dirait des vrais transpalettes et pas des morceaux, ouais, on dirait des vrais. Est-ce qu'il utilisait des matières un peu métalliques, tu sais, alors qu'il y en a qui utilisent des... Bah, je pense à Dragon Mickey, alors que c'est pas du tout... ça reflète pas du tout son travail. Mais sur une de ses pistes, il avait fait un transpalette, un Bobcat ou je sais plus quoi, mais avec des planches de bois, alors que là, c'est métallique, mais propre. Ouais. C'est super. C'est ça qui est génial aussi avec Trial, tout simplement, comme je me tue à le répéter, c'est qu'à force de faire les circuits des autres, on chope les idées. On chope les idées de création, d'inventivité, quoi. C'est presque un jeu de Lego. De toute façon, c'est un peu comme YouTube, en fait. C'est... Oh, putain, il y a une belle... Crash-toi, avant de passer la ligne. Il y a une cinématique un peu genre caméra... Alors, je sais pas si c'est indépendant de... Oui, tu veux dire quand tu te crashes? Ouais. Alors, c'est dans ma zone, en tout cas, donc je sais pas si ah, c'est oui, par oui, rapport... Ah oui, t'as une super... Ah oui, bien, t'as une super caméra de surveillance en noir et blanc. Ouais. Excellent. Ouais. C'est ça, peu... c'est vraiment des bonnes idées, ça. Mmh. Et sinon, pour revenir à ce qu'on disait, c'est un peu comme YouTube en fait. Ce que t'as fait, quelqu'un d'autre l'a fait, donc faut inventer, faut imaginer, faut faire ce qu'on a envie de faire et réinventer les choses en fait. Oui, et surtout réinventer. Et moi, ce que j'adore, c'est quand il détourne l'objet principal de sa fonction principale en fait. Quoi. C'est ah ça qui oui, est beau. C'est clair. Bah, disons, je suis un tout petit peu meilleur que toi. Ah oui, je te garde. Attends, parce que moi j'ai arrêté, j'ai vu que t'as trop franchi la ligne, tu sais. Bon, c'est pas grave. Je suis le digne remplaçant de Cartoon pendant ces 3-4 best of track en fait. Ah putain, j'ai pris de ton skill Cartoon, hein, c'est... Attends, parce que là on va arriver sur les difficiles, tu vois, alors qu'on va en chier, on va doucement... Alors, on passe à Eventuality de HQKI Wrath. Putain, les mecs, ils ont des pseudos quand même, c'est violent quoi. Attends... Les mecs, ils ont des pseudos, c'est hallucinant. Ah là j'aime bien, c'est bien parce que t'as fait une sélection, alors avant de démarrer, t'as fait une sélection mais assez diverse, t'as un truc un peu ouais. Fantastique, un peu aérien avec des petites maisons, ensuite t'as un truc intérieur et là t'arrives sur une ambiance un peu de guerre. Ouais, bah j'essaie tu sais, de les sélections des Best of Track, j'essaie de les varier, sauf des fois quand je tombe trop sur les mêmes circuits, j'en fais une thématique entière. Tu sais, à un moment j'ai fait une thématique Elmonator parce que tous les circuits étaient à base de gros morceaux de bout de bois et tout ça. De ouais, mécanique c'est... avec du bois et tout. Et oh là, par contre, ce passage il va être dur. Je me suis arrêté, moi par contre, je l'ai regardé parce qu'il est vraiment beau. Oh putain, bah attends, tu vas voir le passage d'après, t'as pas intérêt de ralentir en fait. Ah, ça y est, je suis passé. Ralentis pas, hein, t'y vas plein de bourre. Oula, oui. Ah non, dommage presque, j'ai failli le passer. J'ai failli le passer, mais je suis un peu nul sur les montants. Oh, j'ai décroché la roue arrière, fais chier. Bon, au pire, t'y vas doucement, puis tu freines arriver en haut. Ça y petit est. Coup, voilà. Ça y est, c'est passé. Moi j'aime bien ce genre de décor là, c'est un peu ça mon défaut aussi, c'est peut-être pour ça que je sors pas beaucoup de pistes. Le truc c'est que je fais pas de pistes qui sont sur le central et du coup je chope pas toutes les idées, tu sais. Ouais. Et là ce genre de spot là, ça peut donner des idées, tu retravailles un peu la question, regarde avec le beau pont derrière, ah, c'est magnifique. Et, c'est clair. C'est ça la force aussi de capturer un petit peu ce que les autres font. Allez, allez! C'est ça qui est génial en fait de refaire souvent fois la même piste parce qu'on se rend pas compte en fait de tous les petits décors qui sont à gauche à droite. Alors là je te jure que je viens d'halluciner parce que regarde, tu peux passer au-dessus. Ouais, et tu peux passer en dessous. Ouais. En dessous aussi, tu vois, c'est vraiment. Bon, par contre, je vais y aller plein de bourre parce que si j'ai pas patate, ça passe pas. Wouhou! Allez! Et c'est bien, c'est. Voilà, c'est pas difficile, c'est coulant. C'est un circuit bien coulant qui ouais, passe tranquillement. Ouais, il est coulant et on il prend est super plaisir. Varié en termes de décors, c'est magnifique. Oh non!
compte sur toi pour me montrer les bons passages, parce que putain. Je suis un petit peu coulant aussi, moi, de mon côté. Hein, c'est genre, je prends mon temps, je regarde les décors. C'est un peu pour ça, des fois. Le peu de pistes que je fais, vous pouvez être sûr que si je regarde vos pistes, je vais les regarder de A à Z. Je vais rouler tout doucement, je vais regarder tous les Bah détails. c'est quand pareil, quand je trie les pistes pour les best of track, j'y vais tout doucement quoi. Je prends vraiment je m'imprègne en fait de l'ambiance de la piste, j'essaie de voir les petits détails qu'il a cherché à faire, l'univers qu'il a essayé de refaire. Et tu vois là, rien que là, j'ai fait, oh bah celui-là il peut passer dans le best of track, tu vois, juste sur le premier écran. Ah ouais, bah Tu vois, juste sur le premier écran, j'ai fait wow, c'est beau quand même. oui. Donc ça Celui-là. c'est Fluctuation de The Helminator. Voilà, The Helminator, c'est le maître du bois, ce mec. Putain, ouais, j'ai cru que t'allais me sortir une autre piste qui était difficile. J'ai testé la grotte une fois, ça ressemble assez à ça. Ah oui. Helminator, il est incroyable au niveau des mécanismes et du bois, Du quoi. Il a, bois, le il aime mec, il le bois, adore le c'est un bois. bûcheron. C'est un bûcheron, c'est un ça doit être un Québécois ou un Canadien. C'est l'ami SS. Et quand Oh j'y pense, putain! je crois qu'Helminator fait partie des créateurs que j'ai le plus présenté. Bah, j'ai pas regardé l'intégralité de tes best of track, hein, je vais être honnête, hein, parce qu'il y en a beaucoup et que j'ai pris ça en C'est cours. clair. Mais c'est vrai Mais je que fais j'en ai vu pas n'importe mal. quoi. Et t'as vu N'importe les quoi. mécanismes de malade qu'il a. J'arrive pas à passer le début. Bon, cette Ah, fois-ci, ça y est, c'est passé. Bah oui, il fait toujours Oh des là, magnifiques wow! mécanismes. Ah, puis même le fond, regarde bien quand tu vas sauter là, avec la petite rampe. Ouais, c'est d'une richesse incroyable, Helminator, à chaque fois. Les circuits sont relativement courts, mais c'est d'une richesse incroyable. Moi, de toute façon, quand tu fais trop de mécanismes, c'est pas possible. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a grand espoir que Fusion soit mieux en termes de complexité, rien que ça, taille du fichier, complexité. Parce que. J'ai vraiment hâte Putain. de voir les nouveautés de l'éditeur, Ah c'est clair. ouais. Parce que le problème en fait là, c'est que quand t'as une grosse idée, tu peux pas faire une grosse piste. T'es obligé de faire un truc tout petit et puis entre guillemets circonciser ton Oh, idée, fait tu sais. chier. Ouais. Tu la coupes dans l'œuf. Moi je vais peut-être t'attendre. Oh putain la vache. Oh, je suis pas très loin de la fin. C'est vrai C'est que c'est le genre de excellent. piste que j'ai. Oh, avec l'arrivée. Oh, je me rappelais plus de ça. Avec l'arrivée en. Oh, joli le rattrapage. Avec l'arrivée sur le coucher de soleil un Et peu tu t'en Far rappelles West. de cette arrivée-là, regarde. Je me rappelais plus, putain. Ah, il a même fait une petite ville en bas, quoi. Ouais, quand tu passes le mur, Truc qui c'est sert à vraiment. rien, mais voilà, c'est là, quoi. Et ça contribue à la complexité, à la. Comment on dit ça? Au réalisme de l'univers, en Ouais, à fait. l'immersion, ouais. Mais L'immersion, ouais. t'étais en train de dire qu'elle était petite, mais je la trouve pas si petite que ça, hein. Elle était assez. Ouais, elle est relativement grande. Ouais. D'habitude, il fait des circuits un tout petit peu plus petits. On passe à The Magic Hat. Tiens, par contre, j'ai oublié de mettre Il le nom s'appelle de comment l'auteur. lui? Bon, tant pis, il n'y a pas d'auteur. Je regarderai après, je vous mettrai une petite indication après. Non, on n'en veut pas. The Dégage. Magic Hat. Moi, j'ai hâte de voir ce que Ah c'est. oui, elle est superbe. Elle est superbe. Ah Je bah, j'ai crois. encore plus hâte. Je crois. Attends, on arrive déjà à la fin du Best of Rock, c'est Non, triste. il en reste un, il en reste un après. Ah oui, bien sûr, mais bon. Ah déjà, tu sais, là, c'est ça sent la bonne piste. Oui, voilà, c'est dès le début, voilà, tu sais que c'est C'est quoi ce cool. truc à la Doctales, là? T'as un diamant Ouais, au-dessus de t'as la vu, il y a tête? une espèce de fez qui t'éclaire. C'est C'est. un, c'est le, bah c'est ça, c'est le chapeau magique, c'est un fez magique. Ouais. Et c'est très onirique. Là, les espèces d'herbes qui volent. Tu vois, en fait, comment dire? C'est les étincelles qui volent et il les a foutues en verre. Du coup, t'as l'impression que c'est de l'herbe qui De vole. l'herbe, ouais. Et ça, c'est génial. Ça, c'est vraiment génial. Voilà, c'est détourner la fonction principale d'un objet. Alors par contre, moi, les petites lumières, je les ai plus. Je suis en train de faire le pompier là-dedans. C'est un gros bordel. Oh putain. Mais non! Oh putain, redémarrer en côte là, c'est pas simple. Ça y est. Là, j'aimerais bien voir ta caméra, là. Voir un petit peu comment ça passe. Oh Ouh, ça y est. putain. C'était dur là, c'était dur. Ah ouais. Puis il y a la caméra qui aide pas trop non plus. Oh, et superbe, le décor là du château en haut. Je veux voir, je veux voir. C'est le fez là, qui me. C'est le fesse qui te dérange? Ah ouais, lui il est là pour me perturber. J'ai une idée, Pio. Faisons un best of track. Oh putain. Ah! Ouais, je me suis crashé devant le checkpoint. Ah, faut que je t'attende un peu, faut que je t'attende un peu parce qu'il faut absolument que tu vois ça. Attends. Je me concentre. Attends, je me mets bien. Voilà. Une grande respiration. Et puis je serre les fesses. Il est génial, hein, le. Oui. Oh, big up. Ah ouais, Big up for là. Big Gate! Big Big up up pour for Big Big Gate, Gate! ouais. Oh putain, big up.
Et merde. Ah, tu vas te taper une barre, je pense, quand tu vas voir ça. Putain, oh, le gameplay de ouf. Oui, vas-y, oui, oui. Oh mon dieu. C'est vrai que la caméra, elle est un peu dure à gérer, là, de ce... Je m'appelle pas BZ Magic, hein. Putain, mais j'essaie de m'entraîner, moi, en t'attendant. J'essaie de m'entraîner à tenir sur la roue avant, mais c'est chaud. J'aime bien le petit bout de château, en fait. Je sais pas si on le voit après bien, mais... Tu sais, t'as pas l'impression d'être dans... Ah ouais, d'accord. En effet, on le voit bien. Tu passes à côté, mais tu sais, t'as vraiment l'impression que c'est intégré à l'univers de la map. Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment, vraiment bien fait. En fait, il est bon, si haut, là. Hein, le... Oui, j'ai pas trop perdu la main, tu vois. Je suis assez content de moi. Je suis rentré dans le château, en fait, la carte. Ça y est. Ah ouais. Ça y est. Effectivement, ouais. Oh putain, puis il y a des mécanismes. Oh, c'est beau. C'est des trucs simples, tu sais, c'est vraiment simple, hein, mais c'est simple, ça contribue mais c'est bien. L'ambiance. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Ça contribue énormément à l'ambiance. Oh putain, mais par contre, il est un peu tordu hein, au niveau des passages. Ouais, c'est pas franchement. C'est quoi ça? Je suis en train de gangbang un morceau de. C'est et voilà, là l'idée est magnifique. En fait, tu utilises le pont-levis pour la roue pour faire baisser le pont-levis en fait. Et ça, franchement, j'ai l'impression de jouer à Amtaro, mais. c'est génial, c'est génialissime. Oh putain, non, pas de catapulte. Non, je veux pas servir de boulette canon. Ah, faut le dégager? Non, faut juste passer au-dessus. D'accord, je pensais qu'il fallait encore faire un mécanisme, genre tu détruis le château. Ouais, coup de fesse, ouais! Oh putain! Ouais! Voilà, un circuit voilà qui est vraiment bien, quoi. C'est bien. Bien. Y'a pas besoin d'aller chercher plus loin, voilà, c'est bien. Il est c'est bien. Posé. Et on termine enfin avec le dernier circuit qui s'appelle These Streets de Pure Evil. Pareil, c'est un grand créateur Pure Evil. These Streets, oh my god! Bon, je prends la 250. Ouais. C'est dur le difficile en fait. Hein. C'est difficile le difficile. Bah oui! Wow, une partie de ouf. Ah, je te jure. Bon, on va voir ça. Alors celle-là, This tu t'en Street. Souviens un petit peu? Non, juste un tout petit peu. En fait, elle est ultra réaliste. Il a cherché vraiment à recréer une ville, en fait. Et c'est ultra, ultra réaliste. Ah, je crois qu'elle est courte. Il y a un graphe. C'est pas une piste avec... Ah non, pas du tout. Il y a une piste qui est sortie un peu comme ça, dans le même style, vraiment très réaliste. Où justement, t'es dans Londres. Ah bah, c'est celle-là. C'est celle-là, avec le bus et tout. Il va y avoir un mec qui va être posé sur un... Celle-là, elle tombe à pic pour clôturer le best-of. Hein. C'est clair, avec le petit rayon de soleil là quand tu montes sur le bus. Regarde, c'est attends. Putain, je fais exprès, mais regarde-moi ce tag. Attends, c'est ouf. Attends, j'y suis presque. Bon, des tags, je suis conscient qu'on en voit plein maintenant. Hein, mais, oui, putain, ouais, là, il y a du boulot là sur le tag. Ça venait juste d'arriver à l'époque. Hein. Si vous vous resituez un petit peu, les tags, ça existait pas trop à l'époque. Tu vois, il a bien placé les le soleil. Les ouais, flares, voilà, il a ouais. bien placé le soleil exprès magnifique. Pour avoir le flair à cet endroit-là. Quoi. C'est même la brouette, elle est bien placé. Faite. Oh, le bras de grue, je sais que j'avais choqué. Hein. Franchement, celle-là, elle m'avait fait bader comme piste. Quand je l'avais vue, j'ai fait putain, mais elle est vraiment magnifique. C'est clair. Avec la perceuse, oh je sais pas si tu peux revenir en arrière. Non, tu verras pas. Sur le best of track. Je verrai sur la vidéo. Il y a une perceuse qui est mise sur un petit escabeau. Mais alors la perceuse, faut voir, elle est mise à l'échelle et tout, elle est trop belle. Tiens, regarde, il y a même un mec avec une capuche au skatepark. Ah, attends, je suis obligé de faire demi-tour. Attends, on dirait des vraies baskets quoi, c'est vraiment. Il a fait un boulot de fou. Non, c'est devant. Rejoins-moi. Non, je me suis arrêté en fait. Je vais m'arrêter juste à côté d'un tracteur pour ceux qui n'auraient pas vu. Le tracteur il est magnifique. Bon, en fait, je m'arrête, mais en me crachant. Mais j'ai même pas fait gaffe, je roule sur un skate, il y a un morceau de skate en fait qui nous permet de monter. Voilà, c'est vraiment, quand tu traces, tu peux pas voir tous ces détails, c'est vraiment, faut prendre son temps et voir tout ce qu'il a cherché à faire. Ouais. Et je suis sûr que malgré tout ce qu'on présente, il y a plein de petits détails qu'on va totalement passer à côté. Oh putain, le skatepark, l'œil et tout, oh là là. C'est ça qui est hallucinant tout simplement, parce que on voit même pas... 50% en fait de ce qu'il a voulu faire le gars. C'est regarde le mec avec sa capuche. On dirait une statue. Ah ouais, c'est un skater qui est là. Je m'en souvenais plus comme ça. Enfin, je t'avais dit que je me souvenais qu'il y avait un skater, mais alors là, oh là là, les détails. Bon, je vais finir la piste quand même pour ouais, faire elle est juste là à la fin. Eh, le skate. Attends. Ouais, on dirait le truc dans un skate, ouais. On dirait l'overboard ou je sais plus quoi. C'est de un peu l'overboard, future. Ouais. Ouais. Mais ouais, c'est un excellent boulot quoi. Celle-là elle est magnifique. Très très bon boulot. Même en m'y mettant pendant une semaine, un mois, deux mois, trois mois, je suis même pas sûr d'arriver à un niveau comme ça.
Ainsi s'achève ce Best of Track 55. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère que Cartoon ne vous a pas trop manqué. J'espère que Big 8 fait un très bon remplaçant. J'espère que vous serez gentil avec sa prestation. Et j'espère aussi que vous serez gentil avec moi avec toute cette série de vidéos. Je vous remercie et à bientôt pour un Best of Track 56 très très prochainement. Gros bisous, les amis. Gros bisous. Ah bah je suis content là, je suis content. Il était bien, hein. Franchement, je me suis bien amusé. Pas trop difficile en plus, c'était nickel. Ouais, je suis très très content. Enfin, on retourne des Best of Track. Ouais, ils vont revenir. Tu sais, tu vas revoir une inflation d'abonnés sur ta chaîne. Tu vas faire, what? Mais what? Qu'est-ce qui se passe?